L'association UICEP, c'est l'ancien groupe qu'on appelait le Culte TV à Paris, qui s'est transformé il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, en une association 1901, association culturelle, avec la dimension culte que nous organisons tous les derniers dimanches du mois à 15h30 au 47 rue du Long, dans le 17e, pas loin d'ici, dans le temple luthérien de l'Ascension. Nous avons, cette association a une dimension culturelle, c'est vrai, et c'est la dimension culturelle qui nous réunit aussi en de telles occasions, mais une dimension culturelle aussi. D'entraide et de solidarité, MICEP, c'est Mission Solidarité, Culture et Entraide Protestante. En majorité composée de Togolais, d'abord presbytériens et méthodistes, puis catholiques, et puis c'est ouvert à tout le monde. Qu'on croit, qu'on ne croit pas, on peut être membre de cette association qui ne nous demande rien du tout, seulement d'être avec nous pour que, quand de telles occasions de joie ou de tristesse, nous soyons ensemble. Nous sommes à l'étranger, quoique nous sommes un peu d'ici, vu le nombre d'années que nous avons passées ici pour certains. Certains ont passé plus d'années d'ici que sur leur terre natale. Donc, nous sommes un peu d'ici, mais on a toujours le regard tourné vers là. Et on se sent quelque part toujours un peu étranger. Donc, c'est un espace qui nous accueille, qui nous réunit pour des moments de joie, des moments de tristesse, pas plus que ça, et être, se tenir chaud quand il fait froid. Et partager, c'est un espace de partage. Donc je nous inciterai à adhérer à cette association. Ça n'a rien de politique ou de quoi que ce soit, mais c'est juste être ensemble, vivre en grande fraternité, pour qu'en de telles occasions, on soit tous ensemble. Vous pouvez aller sur le site UICEP. Nous avons des signets là, au fond du temple. En partant, prenez-en chacun un. Il y a tous les renseignements dessus et nos cultes sont retransmis, des derniers dimanches sont retransmis en direct. Avant c'était sur Facebook et YouTube, mais depuis on a des problèmes avec YouTube. Parce qu'il nous faut au moins 1000 adhérents pour pouvoir avoir accès à l'espace qui nous permette de retransmettre. Depuis un certain temps, on ne nous trouve plus en direct sur YouTube parce que peu ont adhéré. La fois dernière, j'ai vu à peu près 200 ou 300, pas plus. On a besoin encore de 700 ou 800. Allez, cliquez dessus, abonnez, et puis ça nous ouvre l'espace pour pouvoir retransmettre nos actions, même des veillées comme ça, on les retransmet en direct ici, en direct aussi pour les gens qui sont au Togo. Donc, aidez-nous en étant là, prenez le signet, allez sur le site, cliquez, abonnez-vous sur YouTube, ça nous permettra de diffuser ce que nous faisons. Et ensuite, vous pouvez adhérer aussi sur le site. Il n'y a pas de droit d'adhésion. Mais après, si vous voulez faire des dons à l'association, vous pouvez toujours. Parce que tout ce que nous récoltons comme argent sert à financer des projets au Togo. Donc, nous vous attendons nombreux à adhérer, à être ensemble, pour vivre ensemble des moments de joie et des moments de tristesse. Parce que la vie est si faite. Ne soyez pas seul dans votre coin. Vous avez des frères et des sœurs. Nous sommes tous là. On dit toujours Togo Tobenyamo, c'est des problèmes. Oui, moi aussi j'étais comme ça, même en arrivant dans ce pays, j'avais dit Togo Tobenyamo, je suis venu me cacher ici. Mais ça m'a pris et je suis dans le filet depuis et je me suis retrouvé devant et président de l'association aujourd'hui et pasteur pour conduire cette association sur le plan spirituel aussi.
j'y suis, on essaie de réguler comme on peut. Là où il y a des êtres humains, il y a toujours des problèmes. Il y a des bénévoles très réels, ça arrive, ça c'est humain, c'est ce qui fait la société aussi, c'est ce qui fait la communauté des humains. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On a aussi des régulateurs qui nous permettent de faire chemin ensemble. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous en ce moment. Et notre présence ici avec la chorale, merci à la chorale qui nous accompagne très souvent et qui est toujours là. Merci à vous d'être là aujourd'hui pour cet événement. Que le Seigneur nous bénisse chacun et qu'il nous bénisse tous. Yeah, Lord, yeah, Lord, yeah.